enfants, on va commencer. J'espère que vous êtes prêts. Bon, les enfants, nous sommes rendus à la dernière journée de la semaine à l'école. Bon, regardons ensemble la date comme on fait tous les jours. Hier, nous étions le jeudi 2 avril 2020. D'accord ? Quel jour vient après le jeudi ? Oui, c'est le vendredi. Et quel jour vient après le 2 ? Qu'est-ce qui vient après 2 ? 1, 2, 3. Le 3. Donc, aujourd'hui nous sommes vendredi, ça veut dire que hier nous étions jeudi. Demain nous serons le week-end, nous serons samedi. On va dire la date ensemble ? Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 avril 2020. On dit ensemble maintenant ? Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 avril 2020. Très très bien les enfants. Et on est toujours dans quelle saison ? Vous voyez autour de vous les fleurs qui poussent. Il fait chaud dehors. Nous sommes au printemps. Très bien. Maintenant, regardons ensemble. Chaque jour compte. Hier, nous étions à 111 jours à l'école. Aujourd'hui, nous allons ajouter un jour. On en avait déjà un. 1 plus 1, ça fait 1, 2. Ça fait 2 unités. Attention, je n'ai pas changé ni mes centaines, ni mes dizaines. J'ai simplement ajouté un bâton violet. Donc, on va effacer nos unités. Et au lieu d'écrire un 1, nous allons écrire 2. Pour écrire le 2, je commence ici. Je monte. Oula. Je monte, je descends. 2. 2. 2. Alors, hier, nous avions fait 111 jours à l'école. Donc, aujourd'hui, nous avons fait 112 jours à l'école. Comme 12 vient après 11, 112 vient après 111. D'accord ? Ça va marcher de la même manière. Donc, on a une centaine, 100 jours, une dizaine, 10 jours, et 2 jours. 100 plus 10 plus 2, ça fait 112 jours à l'école. Très bien, les enfants. Bon, je voulais commencer cette journée par montrer un peu de votre travail, parce que vous m'avez envoyé beaucoup de travail. Les papillons, les poissons, vos petites phrases, si tu donnes à il voudra, voilà, j'ai eu beaucoup de retours, donc je voudrais valoriser ça. C'est vraiment super chouette votre travail, je suis très très fière de toute la classe, bravo. Pour le moment je ne mets pas des photos de vous parce que sur YouTube c'est public. Donc, je ne vais pas mettre des photos de vous dans les vidéos. Ça sera pour un autre moment avec une vidéo privée qui est juste entre nous, dans la classe. Mais je vais mettre vos productions. Donc, allez, comme ça, vous pouvez voir ce que moi, je vois, les productions de toute la classe. On y va ? Thank you.
tu donnes un bonbon à Athanase, il voudra un chamallow. Si tu donnes un lutin à Hayden, il voudra aussi un cadeau. Si tu donnes une moustache à Hermione, elle voudra un chapeau melon. Si tu donnes un crayon à Armance, elle voudra une feuille. Si tu donnes un ballon à Dorian, il voudra des crampons. Si tu donnes une fleur à maman, elle voudra me donner un câlin. Si tu donnes un ballon à Léon, il voudra faire des petits ponts. Si tu donnes un crayon à Manon, elle voudra une étoile. Si tu donnes une fleur à Éléonore, elle voudra un bouquet. Si tu donnes un bonbon à Blanche, elle voudra un feutre. Si tu donnes un bonbon à Clémence, elle voudra un gâteau. Si tu donnes un avion à Lubin, il voudra un sous-marin. Si tu donnes une pastèque à Gabriel, il voudra la manger. Si tu donnes une toupie à Victor, il voudra une arène. Bon, merci à tous les enfants qui ont envoyé les photos de leur travail. C'est super. Continuez à m'envoyer des choses et je vais essayer de mettre ça de plus en plus dans les vidéos. Aujourd'hui, en phonologie, on va parler des rimes. Je pense que c'est la semaine dernière, nous avons lu le livre « Ah, les bonnes soupes » de Claude Bougeon, avec la sorcière. Et on avait vu qu'il y avait plein de rimes dans ce livre. Donc, je vais vous lire un passage, puis on va essayer de trouver les deux mots qui riment. Qu'est-ce que ça veut dire « rimer » ? C'est quand la dernière syllabe est pareille. Le dernier son est pareil. Bon. On y va. Fais mitonner, petite casserole, cette soupe, ce potage, ce mélange, et que le diable en rigole, ça me donnera le visage d'un ange. Je redis. Fais mitonner, petite casserole, cette soupe, ce potage, ce mélange, et que le diable en rigole, ça me donnera le visage d'un ange. Donc, les quatre derniers mots, c'est casserole, mélange, rigole, ange. Quel mot rime avec casserole, mélange, rigole, ou ange? Casserole rime avec rigole, ol, ol. Très bien. Et quel mot rime avec mélange? Ange. Très bien. Mince alors, j'ai perdu ma place. Ah, voilà. Chère petite machine électrique, à toute vitesse, en un tour de main, cuis cette composition unique qui me rendra belle demain. Électrique, main, unique. Demain. Quel mot rime avec électrique? Main, unique ou demain? Électrique rime avec unique. Ic à la fin. Et quel mot rime avec main? Électrique, unique ou demain?
Main rime avec demain. Allez, je vous en fais un petit dernier. Bouillonne, bouillonne ma bonne soupe, pour que bientôt dans ma gamelle se trouve ce qui me fera belle, des cheveux jusqu'à la croupe. Donc, on a soupe, gamelle, belle et croupe. Soupe, gamelle, belle et croupe. Quel mot rime avec soupe? Gamelle, belle ou croupe? Soupe rime avec croupe. Très bien. Et quel mot rime avec gamelle? Soupe, belle ou croupe? Gamelle rime avec belle. Alors je regarde ma liste. Voilà, ok. Je vais vous en donner d'autres. J'en ai plus dans mon livre, mais je vais vous en trouver d'autres des rimes. Alors, qu'est-ce qui rime avec soleil? Soleil, sapin, bateau, réveil. Qu'est-ce qui rime avec soleil? Sapin, bateau, c'était quoi l'autre que j'avais dit? Ou réveil. Soleil rime avec réveil. Les deux mots finissent avec le son ei. On va essayer un autre. Fleur, on va trouver le mot qui rime avec fleur. Lapin, écureuil, beurre. Lapin, écureuil, beurre. Quel mot rime avec fleur? Fleur rime avec beurre. Très bien. Alors, un petit dernier, pourquoi pas. Écureuil. On va essayer de trouver le mot qui rime avec écureuil. Peut-être vous en avez un déjà en tête. Écureuil. Escargot. Crapaud. Feuille. Quel mot rime avec écureuil? Escargot, crapaud ou feuille? Écureuil rime avec feuille. Les deux mots finissent en œil. Vous pouvez faire ça? Œil. C'est un son un peu bizarre. Bon, bravo les enfants. On va continuer avec un peu de musique. Donc, à tout de suite. Peut-être que vous vous souvenez, mais il y a une semaine ou deux, je pense que c'était la semaine dernière, nous avons travaillé sur des percussions corporelles. Je vais vous faire voir une vidéo pour vous remettre en tête le travail qu'on va faire. Et puis, on va se mettre debout et on va faire un peu de musique. Comme ça, c'est comme ça, comme ça, c'est comme ça.
Break 3. Pour que ça paf, pour que ça paf. Pour que ça paf, avec les mains et les pieds. Comme ça, c'est comme ça. Pour que ça paf, avec les mains et les pieds. Ne fais pas n'importe quoi, tu peux faire de la musique. Comme ça, c'est comme ça. Comme ça, c'est comme ça. Bonus! Alors, on va se lever et si vous vous souvenez, nous avions, vous voyez plus ma tête, nous avions trois actions qu'on avait fait avec les mains. On avait le cha-cha, le tou-tou-tou et le paf. Donc, le cha-cha, le tou-tou-tou et le paf. Et on avait fait plusieurs rythmes la dernière fois. On avait fait plaf, plaf, tcha, plaf, plaf, tcha, plaf, plaf, tcha, plaf, plaf, tcha. On a fait plaf, plaf, tout, 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 plaf, plaf, tout, 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 plaf, plaf, tout, 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 plaf, plaf, tout, tout, tout. On peut faire même d'autres rythmes. On avait parlé du c'était le ch 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 plaf plaf tout 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 plaf plaf tout 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 plaf plaf. On va commencer avec quelque chose de plus facile. On va juste faire plaf cha plaf cha. Tout le monde fait plaf. Avec moi, il faut pas aller trop vite. Et quand tout le monde sera avec moi, je vous donne un petit peu plus de temps pour être avec moi. On va faire plaf plaf cha, 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 plaf plaf cha. Si ça vous aide, vous pouvez dire avec moi. Plaf, plaf, tcha. 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 Et si vraiment vous êtes trop, 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 trop fort, au lieu de faire ça ou ça, vous pouvez maintenant faire plaf plaf tout 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 plaf plaf tout tout tout. Je fais un peu le plus enfant. Plaf plaf tout 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 plaf plaf tout 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 et plaf plaf tout 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 plaf plaf tout 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 plaf plaf tout 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 et plaf plaf. Tout, 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 et paf, paf, tout, tout, tout. Très bien. Aujourd'hui, on va apprendre un quatrième rythme. Et ça va être un peu... Bah, vous allez voir. On va faire plaf, plaf, tcha. Plaf, plaf, tout, tout, tout. Voilà. Donc, plaf, plaf, tcha. Plaf, plaf, tout, tout, tout. Plaf, plaf, tcha. Plaf, plaf, tout, tout, tout. Plaf, plaf.
chat. Plaf, plaf, tout, tout, tout. Plaf, plaf, chat. Plaf, plaf, tout, tout, tout. Plaf, plaf, chat. Plaf, plaf, tout, tout, tout. Plaf, plaf, chat. Plaf, plaf, tout, tout, tout. Et une fois que vous avez ça, on va faire une chanson avec. D'accord? Alors moi, je vais chanter. Si vous, vous voulez juste faire le rythme, ça ne me gêne pas. Vous êtes prêts? C'est le printemps, tant, 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 tant. Ah! J'ai fait une bêtise. C'est pas grave. C'est le printemps, tant, 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 tant. Réveille-toi, toi, 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 toi. Et entends-tu, tu, des petits oiseaux. Des petits oiseaux, zo, dans leur maison, zon. Font des zizi. Des idiots aussi. C'est difficile. Si on se trompe, ah ben même moi je me trompe quand je parle en même temps. Si on se trompe, c'est pas grave. On s'arrête, on regarde et on recommence. Plaf, plaf, tout, tout. Tout, 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 plaf, plaf, tcha. Plaf, plaf, tout, 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 plaf, plaf, tcha. Plaf, plaf, tout, 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 plaf, plaf, tcha. Na, 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 na. Tout est peint en vert. L'hirondelle a fait son œuf. Fragile comme du verre. C'est le printemps, tant, 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 tant. Réveille-toi, toi, 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 toi. Et entends-tu, tu, des petits oiseaux. Des petits oiseaux, zo, dans leur maison, zon. Ils font des zizi. Des idiots aussi. Plaf, plaf, tout, tout, tout. Plaf, plaf, tcha. Plaf, plaf, tout, tout, tout. Plaf, plaf, tcha. Si vous n'arrivez pas, les enfants, c'est pas grave, vous pouvez faire comme ça. Plaf, plaf, tcha. Plaf, plaf, tcha. Plaf, plaf, tcha. Ça marche aussi. C'est le printemps, tant, réveille-toi, toi, et entends-tu, tu, des petits oiseaux, zo, dans leur maison, zon, qui font zizi, des idiots aussi. Et ça, ça marche aussi. C'est le printemps, tant, réveille-toi, toi, et entends-tu, tu, des petits oiseaux, zo, dans leur maison, zon, qui font des zizi, des idiots aussi. C'est le printemps. Très bien. Bon, les enfants, j'espère que c'est pas trop difficile pour vous. Et sinon, on va faire un petit peu toutes les semaines. Et je sais que vous êtes déjà capable de faire tch. C'est pareil.
Bon, maintenant, je tourne mes pages et on va arriver à notre leçon de maths. D'accord? Donc, à tout de suite. Alors, en classe, vous avez déjà vu mes boîtes à 10. Mes boîtes à 10, c'est simplement des boîtes qui contiennent 10 jetons. On va vérifier, hein, parce que peut-être je ne vous dis pas la vérité. On va quand même vérifier qu'il y en a 10. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, dans ma classe, on a appris que si la boîte est pleine, on a le droit de le fermer. Mais si la boîte n'est pas pleine, on n'a pas le droit de le fermer. Par exemple. Là, j'en ai combien de jetons? Là, on sait que ça fait 5. 6, 7, 8. Si on veut tous les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que j'ai le droit de fermer ma boîte? Et non. Non, 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 non. 9 jetons. Est-ce que j'ai le droit de fermer ma boîte? Non plus. Mais là, si j'ajoute un 10e jeton, alors là, j'ai le droit de fermer. Et ça fait 10 jetons et ça fait une boîte de 10. Une dizaine, d'accord? Donc, pour mon petit jeu, je vais utiliser pour des unités, parce que j'ai pas assez de jetons, des boutons pour des unités. Et là, des boîtes de 10 pour mes dizaines. Et on va essayer de représenter les nombres de 8 à 15. D'accord? On y va, je vais changer de caméra. Alors, sur mon bureau, vous voyez les boutons qui vont servir comme nos unités et des boîtes de 10. Et ensuite, si on revient par là, on voit le 8... Le 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, premier nombre à représenter, c'est le 8. Est-ce que je peux utiliser mes boîtes de 10? Non, parce qu'il n'y a pas de dizaines. Il y a 8 unités. Donc, je vais venir chercher 8 boutons. 1 bouton, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, si vous voulez faire cette activité à la maison, vous pouvez, soit avec des boutons comme moi, soit pour ceux qui ont des Lego, c'est top. Alors, pour vos boîtes de 10, on fait en classe, ce qu'on fait, c'est que on a le droit de connecter, de joindre des Lego que si c'est une dizaine. Et sinon, on doit les laisser espacer comme ça pour les unités. Moi, je n'ai pas de Lego ici pour vous montrer, mais ceux qui sont dans ma classe, mais vous connaissez cette activité. Donc là, on a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est bon. On peut aller au prochain nombre, c'est le 9. Donc, on va faire pareil. On va prendre 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va quand même les recompter pour être sûr. Donc, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et 9. Et là, j'arrive à 10. Est-ce que je vais mettre des boutons? J'ai combien d'unités là? Attention, j'ai 0 unité, donc 0 bouton. Par contre, j'ai une boîte de 10 pour faire 10. Regardez, je vais mettre une boîte de 10 et aucun bouton. Il n'y a pas d'unité. Par contre, on va quand même vérifier. Donc, je vais ouvrir ma boîte. Si j'ouvre ma boîte, je vois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, une boîte de 10 et 0 à côté, ça fait quand même 10. Et là, je ferme ma boîte. 11. Comment je vais représenter le nombre 11? Il y a combien d'unités? Une. Donc, je vais mettre un bouton. Un bouton. Et combien de dizaines? Pas une dizaine. Donc, j'ai une dizaine et une unité. Et on va vérifier que cela fait 11. Alors, quand j'ouvre ma boîte, je vois que j'en ai 10 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On voit que 10 et 1, ça fait bien 11. Et je peux fermer ma boîte parce que j'ai vérifié qu'il y a bien 10 dedans. Donc, 10, 11. À votre avis, comment je vais représenter le 12? 12, c'est 10. Et combien à côté? Bah, 2. On vérifie quand même? Voilà, on ouvre ma boîte à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais on n'a pas besoin de compter. On sait que c'est 10. On peut dire 10, 11, 12. Je ferme ma boîte et je reviens au 13. Comment on va représenter le nombre 13? 13, c'est combien de dizaines, les enfants? Une dizaine. Et combien d'unités à côté? Pas 3. 1, 2, 3. Est-ce que ça fait 13 à votre avis? On va quand même vérifier. Ok, 13. 10, 11, 12, 13. On compte quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 et 13. 13, très bien. On ferme la boîte. Et on vient à côté. 14. Il y a une dizaine. Et 4 unités. 1, 2, 3 et 4. 4 unités, plus un petit cheveu de maîtresse. Ça fait 14. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14. Super. 14, c'est 10 et 4. Et le dernier petit nombre à faire, c'est le 15. Alors, combien? On va avoir 10. Regardez là, j'en ai 10. Plus combien de boutons à côté? 1, 2, 3, 4 et 5. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, c'est 10 et 5. Bon, comme j'ai dit les enfants, si vous voulez faire cette activité à la maison, vous pouvez
avec des boutons, avec des Legos, avec ce que vous voulez. Vous prenez ce que vous avez déjà à la maison pour vous entraîner. Bon, les enfants, on a fait la date, on a fait chaque jour compte. On a travaillé sur les rimes, on a travaillé sur la musique, on a travaillé un peu de maths. Et maintenant, on va faire un peu d'anglais et un peu plus de musique. Donc, on va mettre chapeau d'anglais et désormais, on parle en anglais. On y va. Hello, how are you? How do you feel? I feel happy today. How do you feel, Léon? Are you happy? Sad? Angry? Mad? Afraid? Scared? Sleepy or sick? How do you feel, Athanase? How do you feel, Aristide? Dorian? Gabriel? Hortense? Gaspard? Armance, how do you feel? Hippolyte, how do you feel? Victor, Antoine, Zen, Pierre, Hermine, Clémence, Eleonore, how do you feel? Lubin, how do you feel? Blanche, Manon, Maïna, Malo, Raphaël, Joseph, Hermione, Joachim. How do you feel today? I hope you all feel happy. Now, we're going to sing a song. I hope everyone remembers our song. Let's see. The wheels on the bus. The wheels on the bus. Go round and round. The wipers on the bus go swish, swish, swish. Swish, swish, swish. The horn on the bus goes beep, beep, beep. The doors on the bus go open and shut. Open and shut. The driver on the bus says, move on back. The baby on the bus says, wah, wah, wah. And the mommies on the bus say, shh, shh, shh. Okay? Je vais vous montrer les mots de vocabulaire. I'm going to show you the vocabulary words. Comme ça, vous comprenez ce que vous chantez. So you'll understand what you sing. And then I'll see you in a second. Wheel. Wheel. Bus. Bus. Wipers, wipers, horn, horn, door, door, driver, driver, baby, baby, mom, mom, wheel, wheel, bus, bus. Wipers, wipers, horn, horn,
door, door, driver, driver, baby, baby, mom, mom. Very good. Okay, are you ready to sing? Sing, say la la la, sing. Here's my guitar. Okay, let's sing together. The wheels on the bus. Are you ready? The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, all through the town. The driver on the bus says, move on back, move on back, move on back. The driver on the bus says, move on back, all through the town. The babies on the bus say, wah, 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 wah. The babies on the bus say, wah, 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 all through the town. The mommies on the bus say, shh, 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 shh. Mommies on the bus say shh, 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 all through the town. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus sail round and round, all through the town. Very good. Now we're going to sing our song, Mr. Sun. Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree, an arbre. These little children are asking you to please come out so we can play with you. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Si vous connaissez pas assez bien cette chanson, les enfants, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube et il y a une vidéo où je vous apprends à chanter cette chanson. Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. These little children are asking you to please come out so we can play with you. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind.
2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hen. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hen. Very good, very good class. One more song. You are my sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Very, 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 very good. Bon, les enfants, on est presque à la fin de notre journée. On va juste faire une autre activité. C'est notre dernière journée sur le P, 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 P. Donc, on va faire une toute petite activité avec le P. Et puis, je vais vous montrer votre travail pour aujourd'hui. Et puis, je reviendrai vous dire au revoir à la fin. Donc, on va commencer. Comme vous savez bien, nous sommes en train de travailler cette semaine la lettre P, P, P. Alors, je vais vous montrer. Il y a Hermione qui a travaillé chez elle, qui m'a envoyé une vidéo, qui va nous montrer quelques objets qui commencent ou qui ont la lettre P, P, P dedans. Donc, je vous laisse voir ça. Et puis, on va se retrouver ici. Des présents pour entendre ce qu'on a chez nous qui a le son P dedans. Pomme. Pieuvre. Lapin. Merci beaucoup Hermione pour tous ces mots qui ont la lettre P, le son P dedans. Alors nous tous les jours on fait un peu la même chose, mais c'est pas grave, on s'entraîne. Donc on a le son P, P, la lettre P qui dit P. On va le combiner une dernière fois avec nos voyelles pour lire des petites syllabes. Allez, à vous, je vous aide pas. P-I-P. Très bien.
Allez, maintenant, à vous. P et P. Bien. À vous. Oula. P, U, Q. Très bien. Oh, celui-là est difficile, mais vous pouvez faire... De nouveau son. P, ou, pou. Bien. Allez, à vous. P, e, peu. P, a, pa. Bien. Et un dernier. P, o, po. Alors maintenant, je vais vous montrer votre travail sur fiche en phonologie et on va faire ensemble. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous faites ça avec maman et papa sur l'ordinateur. C'est très bien aussi. C'est très 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 bien de faire ça. Je vous montre ça. Alors, regardons notre travail. En haut de notre travail, on voit le mot pirate. Pirate. Nous, on peut lire ce mot parce qu'on connaît toutes les lettres. P-I, ça fait pi. R-A, ça fait ra. T-E, ça fait te. Pirate. Pirate. Alors, on voit les oreilles du monsieur. Les oreilles entendent p, p, p. Et les yeux du monsieur voient le son, la lettre P. En majuscule, en petit, en script et en attaché. Donc la première chose à faire, c'est d'entourer les lettres P. Alors, quand on regarde la lettre P, il y a la barre et puis le rond. Attention, le rond et puis la barre, c'est le Q. Et le P et le Q ne sont pas pareils. Donc moi, je vais entourer sur mon écran. Là, c'est un P en attaché. Est-ce que ça c'est un P? Attention, là c'est une piège, c'est un piège. Il y a la barre et puis le rond comme pour le P, mais la barre part vers le haut. Et pour le P, la barre part vers le bas. Là c'est un B. Est-ce que là c'est un P, les enfants? Attention, c'est piège. Rond. Et puis barre, c'est le Q. Est-ce que là, c'est un P? Eh oui! Super. Là, on voit un rond et une barre qui part vers le haut. On connaît cette lettre. C'est la lettre D qui dit de, de, de. Ce n'est pas un P. Regardons ici. Est-ce que c'est un P? Oui! Ici? Non, regardez, c'est encore le D. Ah, oh, on connaît cette lettre aussi. Comment ça s'appelle cette lettre? Oui, c'est le R, donc c'est pas le P, donc on entoure pas. Là à côté? Oui, là c'est le P en attaché. Bien. Là, attention, c'est un piège, c'est le B, B, B. Là aussi, c'est piège, c'est le Q. Ici, on voit la barre qui descend et puis le pont. On sait que là, c'est le P en attaché. Donc, moi, j'ai fait la première ligne avec vous. Vous allez faire la deuxième ligne sans moi, tout seul. Alors, on descend. Le numéro 2 entoure là où les lettres qui font le son. Dans chaque mot. Donc, dans chaque mot, il y aura au moins un P et peut-être plusieurs P et il faut qu'on les trouve. Le premier mot, c'est le mot petit. Est-ce que vous voyez le P? Ben oui, c'est au début. P, p, petit. Ensuite, on a le mot
Papa. On peut lire ce mot. Papa. Il y a combien de P dans le mot papa? Deux P, oui. Regardez. Il y a un P ici. Et un deuxième P ici. Oula. Bon, j'ai mal entouré, mais c'est comme ça. Troisième mot, c'est le mot pour. P-O-U-R. P-O-U-R. Le O-U dit OU. Dans le mot pour, où est-ce qu'on voit le P? Oui, au début. On entoure. Très bien. Là, ce mot-là aussi, je pense qu'on peut le lire. P-O-R-T-E. Porte. Porte. Dans le mot porte, est-ce que vous voyez un P? Oui, au début. Dans le mot papillon, là c'est le mot papillon, les deux L ensemble font I et le ON fait ON. Donc on a papillon. Combien de P voit-on dans le mot papillon? On voit deux P, regardez, un P pour faire la syllabe PA et un deuxième P pour faire la syllabe PI. Bon, moi j'ai fait ça avec vous, vous allez continuer sans moi. Et le dernier exercice, c'est un peu plus difficile. Voici la consigne. Colorie les mots où tu entends P et où tu vois la lettre P. Donc, il faut entendre le P et voir la lettre P. Parce que des fois, dans la langue française, on va voir la P, le P, mais on ne va pas entendre le P. C'est juste comme ça. Donc, moi, je ne peux pas colorier parce que je suis sur l'ordinateur. Donc, moi, je vais entourer et vous pouvez colorier. OK? Le premier mot, qu'est-ce que c'est, les enfants? Épingle. Est-ce qu'on voit la lettre P dans le mot épingle? Oui, regardez, la lettre P, c'est là. Est-ce qu'on entend le son P dans le mot épingle? Oui, épingle. Donc, moi, si je pouvais, je colorierais ça. Épingle. On voit le P et on entend le P. Là, c'est un animal que vous connaissez tous. Qu'est-ce que c'est? Un éléphant. Éléphant. Regardez le mot éléphant. Est-ce qu'on voit un P? Oui, regardez, entre le E et le H, on voit un P. Mais écoutez bien, est-ce qu'on entend le son P, P, P? Éléphant. Non, on n'entend pas le P. Sinon, ça serait éléphant. Et ce n'est pas un éléphant, c'est un éléphant. Donc, on ne colorie pas l'éléphant. Ici, est-ce que vous savez comment ça s'appelle, cet objet? C'est un compas. Compas. Regardez le mot compas. Est-ce qu'on voit un P? Regardez les lettres. On voit le C, le O, le M, le A, le S et le P. Très bien. Est-ce qu'on entend le son? Compas, compas. Oui, compas, on entend le P dans la deuxième syllabe, voilà. Et sapin, sapin. Oui, regardez, on voit le P ici. Est-ce qu'on entend le P? Sapin.
bruit. On entend le P dans la deuxième syllabe. Donc, je colorie ici. Les autres mots, c'est éponge, pantalon, nénuphar et dauphin. Je vais vous laisser finir cette fiche à la maison, soit à l'oral avec maman et papa, soit imprimée. Et puis, vous pouvez m'envoyer, si vous voulez, une photo. Bon, c'est tout. Alors, dernière journée d'écriture avant le week-end, le vendredi. Alors, on va écrire la date, comme je vous ai dit tous les autres jours de cette semaine. Vous avez des fiches en majuscules et en attaché pour vous aider si vous n'arrivez pas. D'accord ? Donc, chacun est libre de les faire quand il a besoin. Le V, je commence en haut, je descends en penchant jusqu'à la ligne violette, je remonte aussi en penchant. V, c'est comme un A à l'envers. EN, ensemble, ça fait le son en. Vent, DRE, ça va s'écrire DE. E. Vendre de I. Vendredi. Vendredi 3. Je commence ici. Oula. 3. Avril. Le A, vous savez faire normalement. Le V, le R, le I et le L. Vendredi 3 avril. Tout le monde va écrire au moins ça. Pour ceux qui sont prêts, on va essayer d'écrire aussi. V, E, N. Je fais mon rond. Je monte jusqu'à la ligne bleue. Je descends. Vendre. Oula. Dit. Vendredi. 3 avril. Avril. Alors, ce que vous allez faire aujourd'hui, ça dépend de ce que vous avez fait hier. Donc, si hier vous avez fait une ligne de P, une ligne de Pi, une ligne de Pu et une ligne de P, peut-être vous allez continuer avec Pa. Donc, Pa. Et pou. Voilà, pou, c'est P, O, comme là. Et là, en fait, votre U, vous allez faire la boucle, et là, c'est le début du OU. Pa, po et pou. Si hier, vous n'aviez pas eu le temps, ou peut-être c'était trop difficile de faire le P, Pi, Pu et Peu. Aujourd'hui, vous allez tenter de faire ça. Les parents, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous voyez là. N'hésitez pas à faire des lignes pointillées. Ça aide beaucoup les enfants. Ok. Comme ça, ils vont passer par-dessus. Des fois, ça aide aussi de verbaliser ce qu'on est en train de faire. Par exemple, si votre enfant a du mal à écrire le P, peut-être que vous allez lui faire
Oula, c'est compliqué parce que je filme et j'écris en même temps. Peut-être vous allez lui dire, vous allez lui faire des lignes pointillées. Puis il va dire je monte, je descends tout droit et je fais un pont. Et peut-être ça va aider certains enfants. Bon, ça y est pour écriture aujourd'hui. J'espère que tout le monde y arrive. Si vous avez des problèmes particuliers avec l'écriture, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que je puisse vous aider. Bon, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui les enfants. J'espère que vous passez une super journée et un super week-end à jouer. Il va faire beau, donc j'espère que vous pouvez sortir. Mais sinon, continuez à faire des dessins, des puzzles, des constructions et à travailler le cerveau. On se verra lundi matin pour classe à la maison. Au revoir.